comme annoncé la semaine dernière, nous avons gagné pendant la semaine pour nous limer projecteur nous sur dernier rapport groupe Experio qui travaille pour le compte du comité des sanctions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le groupe d'experts sur Haïti, on se le rappelle, a été créé en vertu de la résolution 2653. Et là, nous sommes en 2022. Et c'est eux-mêmes qui deviennent Haïti. Et puis maintenant, on série enquête et produit un rapport pour dire mais qui ça, eux-mêmes le joignent comme élément sous situation Haïti, notamment sous plan sécuritaire. Et puis, on fait des recommandations. Le document après le soumettre à l'appréciation de l'ensemble du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont même d'après décidé par la suite dans Jeanne de Conéo, jusqu'à permettre que l'ONU sanctionne un ensemble de mounio estimé qui soit impliqué dans la situation chaotique qui gagne dans le pays, ou bien qui a supporté sous une forme ou sous une autre instabilité ou bien violence dans le pays d'Haïti. Et jusqu'à date, il n'y a pas moins de 5 personnalités qui trouvent sur la liste des sanctions des Nations Unies. Donc, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, il y a Tilapli, il y a également Luxon Elan, et puis il y a l'ancien député Profane Victor, pour ne citer ça seulement. Et bien, la résolution 2700 en 2023, t'es reconduit, si nous voulons, une série de décisions qui concernaient, eh bien, régime de sanctions qui ont rapport avec Haïti. Hein? Parmi eux, question embargo sous Amna, qui a été renouvelé là tout dernièrement. Parmi eux, prolongement mandat groupe d'experts sur Haïti. Hein? Bah, un mandat supplémentaire de plus d'un an jusqu'à 13 mois okay, pour continuer fouiller zone à Kalalo pour regarder qui ça évolution situation pays a et comment situation elle-même l'y évolue. Et entre fin année 2023 jusqu'à très récemment, le groupe d'experts sur Haïti yoté dans pays a pour te continuer mener enquête pour garder qui ça ba la yé véritablement. Est-ce que dans intervalle yo te produit premier rapport yo jusqu'à jodi a y a des avancées qui fait, est-ce que gagné une certaine amélioration de la situation, est-ce que mesure pays membres Nations Unies ont été bail tête pour appliquer yo appliquer aussi oui qui ça retombé yo et comment régime de sanctions li impacté situation en Haïti. Donc c'est ainsi que depuis prolongement mandat yo en 2023 de novembre 2023 pour être plus précis, passé par le premier trimestre de l'année 2024 jusqu'à très récemment là, il a parlé de mois d'août et pour arriver mois septembre 2024, groupe expérieux eux-mêmes ils ont travaillé sur pays pendant nous tendez toute l'obèse qui était gagné etc. Pendant nous tendez gang qui fina ou yo, pendant nous tendez tout gagné pouvoir qui changeait, gagné mission qui venait etc. Donc groupe expérieux dans pays. Et groupe Experio produit un nouveau rapport là, on a les hommes, sous situation pays d'Haïti. Et depuis mi-septembre, rapport ça a été déjà joint
comité sanction hein? Et fin septembre là elle t'a doué sous bureau conseil sécurité à dans son ensemble là. Et qui ça yo fait en dans document ça qui très volumineux d'ailleurs yo gardé j'en ai dit tout à l'heure évolution régime sanction yo donc gardé dans qui sens yo influencé ba yo dans pays là yo gardé évolution situation en Haïti en matière de sécurité et également du contexte sociopolitique yo gardé quatre éléments fondamentaux d'abord dynamique gang yo nous songe dans premier travail là monsieur Otevina pour te regarder comment gang yo configuré yo comment yo organisé yo comment yo structuré et bien dans l'intervalle là yo vini là yo mené des enquêtes yo fait des travail pour qui ça dynamique gang yo là au fin organisé là au fin structuré là au fin constitué yo comment yo même non seulement yo opéré mais yo arrivé gérer longévité en fonction de agenda yo mais regarder toute dynamique criminalité transnationale là n'a parlé de criminalité transnationale organisée parce que dans travail groupe expert yo rendu compte que ça qui a passé en Haïti là c'est vrai que des monde au niveau de groupe armé c'est vrai que des monde qui dans l'état ou que des monde qui pas dans l'état que des monde qui dans secteur économique là qui implique ou bien qui contribue là-dedans mais attention Ronald des hommes Mounzao, c'est pas Haïti seulement, yo été. Yo gen de moun ki en République Dominicaine ki bay baga la jarret nan peyi. Yo gen de moun ki aux États-Unis d'Amérique notamment ki bay baga la jarret san bablier Jamaïque à l'autre côté dans la région. Yeah. Ki vin fait que expert yo ou gen nécessité pour parler de criminalité transnationale organisée. De pouvoir parler de situation qui est là dans le pays d'Haïti par rapport avec un volet extrêmement important qui c'est question trafic etc. Il y a pas de trafic là on parle de trafic illicite bien sûr qui a rapport avec ZAM, Inition, trafic migrant tout également cocaïne et ak lot et produits illicites et l'autre bagaille fondamental que nèg yo au niveau de travail yo a yo traité c'est ça nous t'a brûlé les flux financiers illicites et ça veut dire madame monsieur pendant nous pays a il y a toute difficulté économique ça yo pendant nous pays a des monde qui pas ka manger des monde qui dans grand goût pendant nous pays a chargé monde qui dans misère chargé monde qui dans mauvais la vie qui pas mener activité yo aussi minime que yo te gaé bon série de l'autre groupe tout qui fait beurre yo nan sowe gen la il y a pas de groupe qui fait beurre pas seulement les chefs de gang pas seulement yo même pas seulement moun peut-être qui collabore avec gang yo mais il y a des moun tout qui ont même des deals selon le travail du groupe d'experts avec gang yo qui mettait de gros l'argent dehors rien que pour protéger intérêt yo. Il y a des monde qui dans secteur politique là tout comme il y a des monde qui dans secteur économique là d'ailleurs dans travail groupe d'experts yo dit on parle des monde comme ça qui avoué que pour protéger intérêt économique de pays ya yo obligé bay gang yo gros l'argent. Par contre vous comprenez même gens qui des monde tout qui dans la diaspora, notamment aux États-Unis, qui gagnent de très bons liens, des liens pas qu'à imaginer ensemble avec un conseiller de gang ici, s'il faut croire les données du groupe d'experts des Nations Unies. Et rapport ça au lien ça, les bénéfiques pour tous les deux. Et l'un dit bénéfique pour tous les deux, ni moun qui dans gang yo tire profit du rapport ça, du lien ça, ni moun qui l'autre bord yo. Même l'or yo pas au niveau de la scène même gens avec chef gang yo yo gen kobyo yo fait tout donc ça veut dire que gros l'argent en résumé selon le travail du groupe d'experts gen gros l'argent qui a boissé dans question gang dans pays d'Haïti
dans la question insécurité d'une façon généralisée dans le pays. Donc, ce n'est pas pour grand messie. Ou ka wè, si ou men nou anket, ou jwenn de moun ki pa ta reme situation a chanje. Yo pa ta reme situation a chanje pour la simple bonne raison que yo fè beur yo la dèl. Yo pren plaisir la dèl. Nou zot, puisque son rapport, nou te di ça, ki très volumineux, ki très ton baquet et aspect important dans situation pays d'Haïti, nou te vle garder matin, ensemble avec et auditoire là, ensemble avec internautio, la dynamique des gangs aux yeux du groupe d'experts de la Nations Unies. Probablement moi-même comme citoyen haïtien, moi-même comme jeune journaliste, par rapport à ça, mais comme données, par rapport à expérience personnelle, moi-même je dois comprendre la dynamique gang aux gens. Ou même Ronald des hommes, ou qu'à comprendre aux gens, tout comme mon cap suivi là. Il doit comprendre les gens comme ça. Il y a des gens qui ne doivent pas comprendre et qui posent des questions. Je me rappelle avoir posé cette question à une source proche de la coalition Vivre Ensemble. Qui ça gagne ou même au final? Autrement dit, qui ça agenda gagne ou même? Parce que nous avons trouvé un petit genre paraître. Et censé c'est une garde comme ça que chaque jour on a décidé de lever acheter zam acheter balle vous comprenez mobiliser constituer tête yo et vous tomber tirer devant derrière dans pile l'autre monde qui pose question ça qui ça projet a cherché ça a cherché ça vous voulez et moi me déposer une question ça au final qui ça nous voulez ça bataille nous en voulez ça le traduit. Malgré gagner des tentatives d'explication, malgré gagner dans yo qui dans audience publique qu'on gagne sur réseaux sociaux, APC expliqué, mais jusqu'ici population a été floue parce que entre ça yo dit ouvlé ya, par exemple, il y a parlé de révolution là vrai. Il y a parlé de changer système, c'est vrai. Il y a qui parlé de combattre l'état ça gagne là. Il y a qui parlé de défendre sa pif et lui, etc. Mais ça, c'est le discours. Maintenant, entre le discours et les faits, il y a tout un monde de différence. Et ça fait que les gens qui perdent. Yeah. Est-ce que c'est pour passer la bêtise? Ou bien est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ça, il dit, etc. Dans le travail, groupe expert, Nations Unies, ils ont expliqué que pendant la période où ils ont mené enquête, soit novembre 2023 pour arriver jusqu'à août-septembre 2024, eh bien, dynamique gang là, li évolué. Et là où dit évolué, pas évolué non sens, comme sou ta dit, gagner une certaine amélioration, bien on aller mieux, non? Évolué de façon pour attirer attention moun kap si pour dire, ah, ça qui passe. Pour qui ça gang yo a changé de temps en temps ou bien gang yo a avancé comme ça ou bien a vinn plus puissant, a vinn plus criminel. Yo retourné sous coalition Vivre Ensemble là pour yo rappeler que avant yo te kon parler de deux coalitions rivales qui c'est G9 et GPEP. Mais yo dit depuis 29 février nèg yo réactivé Alliance Vivre Ensemble, et d'après groupe Expert Nations Unies, c'était dans l'idée pour capable camper en face gouvernement. Et expert expliquait que la fin mois février, nous vous compte ça tout, capitale là t'es qu'on est un ensemble de violences sans pareil. Il nous a expliqué ça très récemment. Il y a des monde qui t'a même dit c'est pour la première fois dans toute l'histoire du pays qu'il y a même il y a vive des situations pareilles, des situations comme ça. Côté gang yo a mené des attaques coordonnées contre une série de sites stratégiques, de bâtiments gouvernementaux, des infrastructures, etc. Expérience rappelé que département l'Ouest avec la Tibonite était toujours et jusqu'à le yo soumettre rapport à parler de août septembre, eh bien en bas contrôle, souvelé
nèg examen. Donc c'est toujours violence qui caractérise fonctionnement département ça. Vous vous rappelez dans département l'Ouest, gang était toujours ciblé plusieurs communes, tant que commune Cité Soleil, Delma, Taba, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et yo rivé étendre tentaculio sur plusieurs zones périphériques capitale là, notamment sur des communes du sud tant que on a parlé de l'entrée sud capitale là, Carrefour, Gressier, Léogane, l'Est Gantier, pour le nord Cabaret et Arcaye. Et avant mission multinationale d'appui à sécurité a été venu commencer entre guillemets effective dans pays là, eh bien gang yo on a les hommes guerriers du seul te poté boué sur ensemble de zones. Et d'après compréhension groupe expério, c'était tout simplement dans l'idée pour augmenter revenu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc c'est pas moi qui le dis, c'est groupe expério Nations Unies au cap parler. Et selon estimation yo, 85% dans zone métropolitaine Port-au-Prince actuellement, c'est-à-dire dans moment n'a parlé là, il sous influence ou bien contrôle entier gang Adjambio. Et presque tout côté où passé dans la capitale là, selon le groupe d'experts des Nations Unies, pas gagné aucun citoyen haïtien qui en paix. Et majorité, pour ne pas dire tout secteur vital dans le pays, à cause de violence armée, à cause du comportement gang, il y a tout un coup. Peut-être que le groupe expert va apprendre nous. Nous n'avons rien à vivre. Des secteurs sont coupés sur sécurité, éducation, santé, culture et transport. Dans le département de la Tibonite, à cause du nombre de kidnappings pendant la période là qui était augmenté, quand c'était caca de Jacques qui était fait, détournement en série de camions, sans oublier quand c'était moun qui mourit, eh bien, moun yo pas de suspens levé voyo, ok, pour. Te dit faut bon bagage qui fait voilà que gon mission qui rentre dans pays a selon mon Tibonite d'après témoignage yo tout bagage concentré sous Port-au-Prince et puis yo même au niveau de la Tibonite y a péri en bas gang exam toute prime toute primaille et nous te noté ça y a fait tant de voix pendant plusieurs mois pour dire bail la police dans le département moyen, bail au blindé, bail au bal, bail au ceci, bail au l'autre boy, etc. pour capable mener des opérations. On avait comme l'impression, responsable, dirigeant, de faire la sourde oreille. Donc il aura fallu que plus de 70 personnes ont mouru dans attaque sanglante ça, sa, base grand griffe t'est fait sous consondé, ok, pour que autorité, notamment au niveau de la police, soit conscient que y a une nécessité pour renforcer la capacité de la police sur la Tibonite. Nous songeons des filets blindés, etc., qui étaient faits, vous comprenez, plusieurs unités qui étaient transportées via hélicoptère l'autre bord, dans le cadre des opérations, même si jusqu'à présent, nous avons demandé bon, pour quel résultat. Peut-être qu'il est encore tôt, nous avons suivi. Et dans le contexte, ça, le groupe expert a expliqué. Groupe autodéfense vient multiplier. Alors, mais ça, nous devons retenir dans ce qui dit, c'est que de côté, il y a les groupes armés qui sont connus, avec des chefs en tête bien connus. Mais de l'autre côté, il y a une série de l'autre groupe qui arme tout. Peut-être que nous n'avons pas pris comme groupe gang, nous avons un groupe autodéfense. C'est-à-dire c'est des civils qui ne sont pas policiers, qui ne sont pas dans l'armée, qui ne sont pas dans la pièce. Mais qui a défendu la zone. Mais attention, c'est les âmes illégales qui sont dans la main. Attention, il y a des gros âmes dans la main. Par contre, vous comprenez. Eh bien, dans ce contexte, pendant la période novembre-décembre 2023 pour arriver jusqu'à août-septembre 2024, la quantité de groupes a augmenté. Groupe de défense, ça veut dire qui ça? Non souci, conseil de zone protégée tête parce que. L'État n'a pas réglé rien pour lui. Donc, il a même organisé
yo mette des brigades campées et en pile dans brigade ça ou bien pile dans moun ça qui constitue tête yo en groupe d'autodéfense ça yo pas main vide. Marron sur vous. Yo pas main vide. Et groupe expérieux rappelez que 5 individus qui étaient visés par des sanctions dans régime de sanctions avant ou bien dans après ou te fin bout du premier rapport jusqu'à présent yo toujours été dans tête groupe armé. Ça veut dire sanctions yo pas fait yo ni chaud ni fret. Et il y a monde qui t'a posé question sur série sanctions ça yo. Lord dit au déclarer ou bien on prend en mesure d'embargo contre une série de chefs gang. Mais on parle d'embargo sur les armes, nous t'ai posé question récemment. Est-ce que c'est chef gang là qui a acheté les armes là? Est-ce que c'est chef gang là qui prend avion qui rive aux États-Unis ou bientôt qui par n'importe moyen et puis décide de faire un embarquement sur bateau dit la prendre aux armes en Haïti. Ou des chefs gang yo yo rete côté yo ya dans zone yo yo va am sorti véritablement. Nous supposons il est sorti tout ces gros dispositifs probablement qui prend. Donc ça veut dire que mon qui t'ri. Et bien groupe expert yo dit les retour en Haïti, yo remarqué 5 individus qui étaient visés par des sanctions, et bien yo toujours été dans tête principale groupe armé en Haïti. Par exemple, yo parlé de 5 secondes qui toujours a dirigé par Johnson André alias Izo et Grand Ravine qui a dirigé par Renel Destina alias Tilapli. Et actuellement là, selon le groupe d'experts, ok, c'est des gangs, ok, qui paraît dominant par rapport à emprise yo gagne sur ensemble d'espace. Et groupe d'experts yo dit, dans travail yo fait, travail d'enquête yo fait sur le terrain, yo conclut que quantité moun groupe armé ça a été gagné il y a de cela un an, contrairement à ça moun ta avancé, yo augmenté. C'est pas moi qui dis non. C'est pas moi qui dis. Qui vient faire que yo vinn gagner en plus grande puissance de feu. Qui vient faire que tout pour raison bien pour l'autre, yo vinn gagner plus comme. C'est pas moi qui a parlé, c'est groupe d'experts qui a parlé. Concernant ancien policier Jimmy Cherizier, mais groupe d'experts yo expliqué s'il c'est chef gang qui plus connu hein. Plus populaire là et s'il c'est chef gang que moun plus standé dans dernier moment ça yo mais il dit attention Jimmy Cherizi alias barbecue c'est pas le plus puissant dans gang yo après rappeler pas moi qui a parlé c'est le groupe d'experts des Nations Unies qui a parlé yo admet que je dis à Jimmy Cherizi alias barbecue c'est chef gang qui plus connu yo admet que je dis à c'est chef gang qui plus populaire. Yo admet que Jodia c'est lui moun plus tendé quelque soit Jean vieux réseau tendé Jimmy qui a parlé. Mais yo dit attention hein, c'est pas Jimmy Cherizier qui est puissant. Yo expliqué groupe expert qui a parlé à savoir si y a bay vérité ou pas. D'ailleurs, on a retourné un peu plus tard sur méthodologie de travail yo. Yo expliqué que Jimmy Cherizier perdu considérablement influence li te gagne sur coalition G9 car expert qui a expliqué gang ni en Delma 6 est affaibli par des opérations de police en cours et qui t'a tout provoqué que monsieur a perdu un paquet de revenus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est groupe expert en fonction des données gagnées ensemble avec Jimmy Cherizier qu'on connaît. Groupe expert dit faut que nous notions que vivre ensemble hein t'es pillé la plupart dans ensemble de gros commerces qui t'a gagné dans Badelma et au souligner gros commerce sa yo te kon permettre à barbecue pour joindre l'argent périodiquement en échange à sécurité. Donc ça tout le pas sans conséquence sur capacité barbecue gagner pour rentrer l'argent. Ça c'est le groupe d'experts des Nations Unies qui a parlé. Quant au gang crasé barrière, eh bien groupe expert dit dans travail yo a dans dernier vini yo dans pays a yo rendu compte que gang crasé barrière li passé au second plan. Ça veut dire qu'il est affaibli par les multiples affrontements qui sont opposés à la branche Lio qui est dans la tête Lio Didi, qui d'après le joint de l'homme en mai 2024 avec ce groupe-là. Et vous rappelez que Didi a un problème avec leadership vite l'homme innocent. Et vous dites que gang ça a affaibli tout à cause d'un ensemble d'opérations de police. Même si opération de police ça yo yo pas arrivé neutraliser chef gang nan selon groupe expérieux mais yo arrivé affaiblir un nan quantité zam yo saisi ou yo deux nan quantité soldats qui tombé
dans cas d'échange coup d'âme avec force là. C'est groupe expert qui a parlé, c'est pas moi qui a parlé madame monsieur. Et il expliqué que gang Gazi Barrière, il joue un soutien gang 5 secondes à Canaran. Et il rappelait que gang Canaran qui est en tête lui, Jeff Larose qui a peu le monde connaît son nom Jeff Goulois. Et il dit gang Canaran jodia, il sorti dans gang de second plan à un gang de premier plan. Ça veut dire jodia selon groupe expert ça gang Canaran était représenté il y a de cela 1 an 2 ans, il pas représenté encore, il vient une importance capitale 1 parce que il a une proximité avec 5 secondes. OK? Et de tout guerrier du seul zone yoa les ils ont semblé mener des attaques et coordonnées. Il était moins touché qui vient faire une série d'activités économiques qu'il a fait très facilement. Nous sommes venus expliquer ça. Dans le Grand Nord, par exemple, pour toute compagnie qui est dans la question de transport, même si vous avez un peu, obligé à verser avec Ganza. Et n'a pas parlé de ni compagnie, c'est une compagnie que nous connaissons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autobus et qui fait plusieurs zones, villes ou bien dans le Grand Nord. Ni l'autre petit papa d'abri, l'autre petit bus, soit chaque jour, soit chaque semaine, il y a de l'argent à bail. Donc ça vient de mettre. Selon le groupe expert des Nations Unies, gang et Canaran qui ont été chef là, non position côté, ils viennent en gros gang à l'instar de Kokorelli et Chochoretli dans le village de Dieu, etc. L'autre élément que le groupe expert eux-mêmes ont souligné dans le cadre du travail, madame, monsieur, ils ont expliqué que gang 400 Marozo, que nous tous connaissons, qui est en tête de Joseph Wilson, alias Lamo Sanjou, bien, lui-même tout, vient mettre en position de force. Si dans le mois passé, dans le temps passé, ou tu as comme l'impression que 400 Marozo n'est pas affaibli, ou bien 400 Marozo t'a pris un coup, mais 400 Marozo t'es presque à tes plates, eh bien, je dis, selon le constat du groupe d'experts des Nations Unies, eh bien, 400 Marozo vient camper tof, un, par rapport avec possibilité de venir joindre. Ou approvisionner en armes et en munitions. Deux, par rapport à la quantité d'argent que vous avez. Et vous expliquez, vous avez un côté où vous faites comme ça, c'est un camion qui a transporté marchandises à destination ou bien en provenance de la République dominicaine. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est le groupe d'experts des Nations Unies. Et là, nous avons mis un projet sous ça où il est, nous avons travaillé la dynamique des gangs dans le pays. Pendant la période novembre 2023 pour août-septembre 2024. Pour le centre-ville de Port-au-Prince et ses environs, principal quartier administratif, financier, commercial, capital là, centre-ville là, et bien selon le constat du groupe d'experts des Nations Unies, jusqu'à ce que le rapport ça lui-même définit préparé net, au mois de septembre 2024, et bien il était au cœur de ambition expansionniste des gangs. C'est français qui a parlé. Ça veut dire gang yo est toujours convoité espace ça pour en bas contrôle li. Ça veut dire pour sortir dans zone côté de connait au déa, OK, pour étendre jusque là. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire un paquet de business qui soit pas en bas flamme ou bien qui pillé ou bien qui vandalisé. Et conséquence là, majorité business qui est dans centre-ville là, madame monsieur, qui ça nous t'est constaté. Nous constaté que il y a monté gen musique qui dans centre-ville là aujourd'hui à qui au niveau de la lue, gagnien qui peut-être dans avenue Charles Soumer, gagnien qui peut-être monter Bois Vernard, gagnien qui monter Tiojo, gagnien monter Delma et pourquoi pas Vitionville. Donc ça veut dire yo couri qui dans centre-ville là. Et gagnien espace aujourd'hui à si on moun wè au niveau de centre-ville là, sous te connaît yo 5 10 ans de cela, l'occasion dans jour parce que yo méconnaissable. C'est zèbre qui levé etc, c'est pied bois, c'est toute qualité fatra. Etc. Pas plus tard que hier ou avant hier, je regarde une vidéo qui a montré le lycée Toussaint. Ça va là. Mike a fait de l'eau dans la zone. Lycée Toussaint. Malgré que le nouveau chef, le nouveau dirigeant de la ville, il dit il y a des efforts qui sont faits pour reprendre le contrôle du centre-ville, mais le constat du groupe d'experts des Nations Unies a bien montré que c'est totalement le contraire. C'est vrai, il y a des simulacres qui sont faits. Pour chef gouvernement arriver dans le niveau quartier général, la mer, etc.
mais ça pas empêché une série de zones jusqu'à présent qui abandonné et qui est ce qui contrôle eux, ce sont les gangs armés. Expert expliqué, guerrier de sol depuis fin mois février 2024 là jusqu'à très récemment là, quartier ça est devenu un champ de bataille entre les gangs armés, les bandits armés et les forces de l'ordre. En témoignant la journée du 17 octobre, très récemment là, la boîte est même guette en allée, puisque le rapport public le 30 septembre. Nous sommes en bas cartouche, autorité qui a déposé Jeb Fleur dans le cadre de commémoration 218 l'année, l'amour en PWA. Vous courez, vous retirez quoi? Et sous Go et Scott, force l'audio qui vous dit là. Il dit que gang yo très récemment t'a établi plusieurs points de contrôle stratégiques à partir de yo membre était capable de surveiller et puis déstabiliser opération de police notamment au moyen d'une série de tirs ou gain qui embusqué qui installé au sommet des bâtiments vandalisés mais ça moun yo de retenu par là et récemment dans pile monde qui t'a fait constat au niveau de Bapé de choses zone Magloire Amboise conseil de Caibien ou conseil de Caibien ou qui dans zone là pour une raison bien pour l'autre soit business qui était là-dedans, pas là encore. Moun qui était là-dedans, obligé de déserter, surtout à cause de violence nèg ak zamyo. Et bien, qui ça, nèg ki gen zamyo, fait guerrier de seul, yo rentre dedans, yo bay l'impression que son kay ki pa gen moun, yo rentre dedans, et puis yo mette point de fusil, dehors, la fenêtre là, et puis y a contrôlé dans les hauteurs, va et vient, force l'audio. Ça veut dire si mon chèque a venu, si mon backup a venu, ou bien si vous voulez pour bon plaisir, vous videz tout son jeune. Et c'est ça que vous expliquez. Ça qui t'a donné stratégie de la police, tout. C'est ça que vous expliquez là. Vous expliquez que une série de bâtiments, soit qui était logé, une série de business par le passé, ou bien c'est des appartements, tu gagnes des gens qui étaient là-dedans, à cause de la stagnation, les gens qui ont couru, ou bien ils ont crasé le business, ils ont vandalisé, ils ont pillé. Et bien, nèg yo utilisé ça yo comme des sites stratégiquement pour battre avec force. Avec on est campé Magloire Amboise et puis le bon bâtiment qui domine Javan, il vide carte sous Javan. Même genre on est campé au niveau de Magloire Amboise n'a pas là et puis il vide carte sous zone ethnologie etc., zone pompier. Et c'est ça oui, expert expliquer. Je dis comme ça, il y a des membres dans gang 5 secondes à Granvin, et bien pendant près de deux fois, guerrier du seul, premier ministre visite en bas, dans l'intervalle là, il veut une cartouche. Il veut une cartouche. Et il râle, expert qui a parlé pour une base qui te fait causer. Il râle quatre visites l'hôpital général là. En juillet 2014, qui s'est passé malgré l'autorité qui a annoncé qu'il a débarrassé l'espace de gang qui a pris le contrôle sans hospitalier ça pendant des mois. En d'abri, monsieur. Pendant la période, ça n'a pas l'air. Gang 5 secondes à Granvine, qui en 2022 a commencé à occuper sud centre-ville là, yo Yvantanyo, de manière agressive, dans une série de quartiers qui presque débouché sous palais national. Gang nord centre-ville là, beaucoup de parle qui sous contrôle gang Caché Diffé, qui sous contrôle gang Les Argentins, qui sous contrôle gang La Saline depuis 2021. Je ne sais pas si je suis un peu plus de les Argentins. Le groupe expert qui a parlé, pas moi, je ne sais pas. Je dis, gagné le nord du centre-ville qui sous contrôle trois groupes armés. Craché Diffé, les Argentins et la Saline, et ceci depuis 2021. Et je dis, secteur sali stratégique pour Bandio, parce que Bandio fait comme la donne. On y a là, madame, comment? Pas oublier, douane, non, à payer un balouin. Les camions qui sont sortis là, il y a des douanes qui sont sortis là, il y a des marchandises qui sont sortis là, etc. Eh bien, c'est un point important pour gagner, pour stratégie, par yo. Pour faire quoi, surtout? Vous détournez les camions, vous volez les marchandises, mais vous faites kidnapping tout. Même si vous tirez sur le monde. Vous songez, mon citoyen me déconnaît. Kirill Junior, flâneur très élégant, qui a travaillé dans le douane, un jeune garçon. Ce n'est pas des amis, mais nous avons une bonne relation, très cordiale, des amis en commun. Qui perdit la ville, je suis employé dans le douane. Tout en bas.
j'ai sous travail en général, c'est blindé contre, blindé devant, blindé derrière, etc. Pour travers ça pareil. Et puis ce jour-là, pour résoudre pour l'autre blindé, il y a des temps pis devant, je viens à courir passer. L'ouvrir coup de zame sur lui, il prend balle dans la tête. Et l'autre monde qui était dans la machine, blessé. Par contre, je comprends. Dans même dynamique gang yo, guerrier Dieu seul, bon côté dans travail groupe expert Nations Unies yo, yo expliqué en pile monde t'a demandé est-ce que vivre ensemble une aspiration politique? Est-ce que politiquement yo voulons bagarre ou politiquement ou bon projet? Eh bien, en guise de réponse, qui ça groupe expert yo expliqué aspiration politique vivre ensemble yo t'a pral révéler dans soutien yo te bay Guy Philippe dans position anti-gouvernementale yo te pran yo. C'est pas moi qui parle, madame, monsieur. C'est le groupe d'experts des Nations Unies qui a parlé dans son dernier rapport qui soumet à l'appréciation et du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sachant que la prise du palais national serait un coup symbolique porté à l'État, eh bien, vivant Sam, tu as lancé au moins 10 attaques d'envergure contre l'infrastructure ça depuis commencement mois mars, madame, monsieur. Et on dit, attaque ça, yo, vivant Sam, tu mené contre le palais national, c'est pas des bagailles au hasard. C'est pas des bagailles comme ça, comme ça. C'est des bagailles qui étaient planifiées, qui étaient coordonnées. Et on dit, on a tête pas cette série attaque ça, yo, selon le groupe d'experts des Nations Unies. C'est Dimitri Erard. Dimitri Erard, groupe expert rappelé, était ancien chef sorti 2017, arrivé 2021, unité de sécurité générale du Palais National. Qui lui-même, après prend prison pour rôle présumé, t'a joué, bien t'a joué, dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse en 2021. Et nous songez, dans l'attaque qui était faite sous prison civile. Pour le président, eh bien, il t'a fait partie de 4600 prisonniers qui t'étaient mis en voilio depuis mars 2024. Et groupe d'experts expliqué, monsieur Erard, il t'a incité en quantité monde pour touiller agent sécurité qui t'a résisté à série attaque ça au côté palais national. Et il t'a clairement gagné des parties liées avec Guy Philippe qui lui-même t'a tenté pour le corrompre policier pour quitter gang yo même entrer dans palais national pendant série à Texas. C'est pas moi qui parle, madame, monsieur, je le dis, je le répète, c'est le groupe, je le répète, c'est le groupe d'experts des Nations Unies. OK? Qui dit pendant 10 attaques vivant ça mené contre palais national pour te prendre contrôle palais national et pour te permettre Guy Philippe lui-même ni prendre pouvoir. Et bien il dit monsieur Erard, qui est ancien chef USGPN, et bien c'est passé Mambio qui était dans offensive za Lord ou tu agent yo pas dans parler avec yo et il expliquait que te gon moment même était arrivé à chercher contrôle chercher contact policier qui t'a résisté dans parler pour te corrompre c'est-à-dire ba ou l'argent ba ou des moyens pour les attaquer en fait pour pas faire trop effort juste faciliter gang yo entrer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? M'bat là m'ba mener enquête avec nèg yo m'ba parler monde sur ça. Dans l'idée pour déstabiliser la transition politique, Vivre Ensemble a fait plusieurs attaques contre les ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, ancien bâtiment Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, là, l'hôpital général, on s'en souvient. Ensemble a conseillé des unités dans la police, là. Parmi eux, unité départementale de maintien d'ordre, qui dans l'air du Chat de Maslatou, et également le commissariat de police de Port-au-Prince. Et groupe expert expliqué, dans le quartier voisin, il y a le gang Les Argentins, qui en plus le monde connaît sous gang Bel Air, qui est dans la tête de Kempes Sanon, ah bon? Et bien, il a tenté à plusieurs reprises pour prendre contrôle brigade opération d'intervention départementale, on a parlé de Boyd, qui stratégiquement trouvé sur les hauteurs du quartier du Fort National. Ça qui t'a permis de le contrôler depuis les hauteurs, en grande partie dans le centre-ville. Groupe expert qui a parlé. Dans le quartier voisin Solino, depuis même février 2024, ça, groupe expert expliqué barbecue associé avec ancien rival de Kempes Sanon pour capable intensifier une série d'attaques sur le quartier. Objectif là, c'est accéder
à une série de routes stratégiques qui relie territoire Paiwa en paquet l'autre secteur qui sous l'autre zone notamment Delma à environ yo. Ça qui va permettre que yo gagne capacité pour faire plus exactions mais également tout pour faire plus scope pour augmenter revenu. C'est groupe expert qui a parlé, c'est pas moi même. Autrement dit qui va permettre de diversifier source de revenu. Groupe expert a expliqué que gain affrontement entre gang yo ensemble avec une série de groupes autodéfense dans Solino surtout des policiers qui c'est mon zone là et bien qui yo même te dit pas de question pour zone livrer à gang et affrontement ça yo même yo fait plusieurs victimes selon le groupe d'experts et expliqué dans le passé barbecue te gon sorte d'arrangement informel avec certains agents de police au niveau de Solino avec des gain des monde au niveau de Solino qui zamil. Mais vous expliquez, cependant, attaque constante vivant sam vina fait contre local avec résidence policière ensemble à une série de opérations la police vina mené contre bastion barbecue et ben vinn contribuer souvle à fait que relation moun sa yo vinn pa même gens. Mais ça ne peut retenir. Il y a des policiers qui étaient Solino, qui étaient bons amis barbecue, qui étaient bon rapport avec barbecue, c'est ça que vous expliquez aujourd'hui. Mais vous dites le fait que Vivre Ensemble vient d'attaquer une série de sites ou bien infrastructures de police, ok? Et puis la police vient d'amener des opérations dans fief barbecue ou bien vient d'attaquer barbecue dans fief. Donc ça passe en conséquence aux relations qui étaient liées avec ces policiers là. Une fois que chaque vient prendre caillou, vient défendre caillou. C'est ça que groupe expert expliqué. Il dit en réaction, pression policière a augmenté depuis le 9 juin et barbecue lui-même revendiqué. Nous songeons ça une attaque meurtrière qui a coûté la vie à trois agents de l'UTAG. On a parlé là de l'unité tactique anti-gang de police nationale qui ont même tapé non patrouille dans Badelma. Et gang a reproché agents à eux comme des agents qui étaient décidés d'entrer dans la zone à titre privé. Mais ce n'est pas la police qui a mené l'opération. C'est à titre privé pour être capable de soutenir le groupe autodéfense qui est au niveau de Solino. Dans l'autre élément encore, il a expliqué que dans le département de l'Ouest, gang yo a cherché à étendre en prise territoriale yo pour être capable d'augmenter le revenu. En général, nous connaissons le revenu, il y a sorti dans la question kidnapping, enlèvement, il y a sorti dans la question détournement de marchandises, il y a sorti dans le trafic de drogue, il y a sorti dans une série de postes de péage sur toute route nationale numéro 2A qui est reliée. Capital là ensemble avec région sud là ça pas nouvelle et il expliquait que pendant mission multinationale d'appui à la sécurité à Tapville dans pays là nous songe les audit toute bagaille sans prêt et que Kenya va rentrer etc. Eh bien monsieur qui gagne contrôle zone sud là selon le groupe d'experts des Nations Unies yoté gétant permettre que gang qui dans zone ça ou assuré ou dans série de base qui capable servir d'échappatoire ou bien de couloir pour aller dans l'autre département dans le sud là. Et groupe expert vous expliquer cellule Grand Ravine dans Mariani installée dans commune Carrefour fin 2023 te recevoir renfort bon côté groupe 103 zombies que Chalma Edorin alias Tibébé Bougoy lui-même l'a dirigé pour étendre contrôle Grand Ravine sous commune voisine qui est Gressier. Et vous expliquez qu'il y a de l'autre poste de péage qui était mis en place et gang yo t'ai exercé violence sauvage jusqu'à mois mai 2024. Et vous parlez de 25 civils pour Pépiti qui était tombé en babal bandi, sorti 28 juin pour dériver 1er juillet qui est passé là. Et vous expliquez que la police, non sens, t'es perdu contrôle commissariat Grissier. Et là, nous sommes le 7 juillet 2024. Et groupe expert yo, allez plus loin pour dire qu'une série de communes, ça ou les communes méridionales, yo, t'as coup Léogane, t'as coup Grand Gouave, t'as coup Tigouave. Yo même tout, yo t'es dans viseur gang yo. Donc yo t'es des menaces sou yo. Et yo parlé de la date du 20 juillet, côté le groupe 103 zombies, les mêmes t'es publié en vidéo qui t'a montré clairement que yo t'es arrivé dans la Féonaï, en localité dans la commune Léogane. Yo expliqué que localité ça les limitrophes à commune Grissier. Et yo dit puisque son espace qui montagneux et gang yo t'es en Wenali en base stratégique. OK? Pour gagner eux-mêmes, yo fuit si jamais la police t'a mené on attaque sur yo. Parce que yo dit là où ils viennent monter là, la vie plus difficile d'accès. OK? Pour la police t'a soit vienne prendre yo ou bien battre avec.
yo dit en parlant de groupe expert yo gang yo te gen tan zone ça dans viseur parce que pour yo même annonce Kenya annonce mission multinationale là c'est ta bomba rololoy donc de ce fait que t'as préparé aux conséquences un pour te gen plus d'âme dans mer deux pour te gen plus moyen et trois pour te identifier une série de zones une série de couloirs qui ca permettre que yo quitter région métropolitaine là aller dans zone sud là notamment depuis février 2024 Gang Tibois qui vient en tête écrit soit chéri alias Chrisla contrôle les communes Carrefour selon groupe expert Nations Unies et on dit pas de présence policière dans région ça depuis mi-temps mois de mai 2024 jusqu'à aujourd'hui et on dit attaque et qui t'a fait yo pas épargné deux commissariats de police qui étaient dans zone là et par rapport avec violence gang yo qui était gagné en dans commune Carrefour agressé yo parlait de plus de 230 chrétiens vivants. OK, 230 monde parmi yo gen membre gang parmi yo te gen civil qui te soit mouri ou bien blessé soti avril pour arriver jusqu'à juin 2024. Et dans département la Tibonite situation pas te trop différent, gang Grand Griffe qui li même gen en tête li Luxon Elan, Cocoat sans race qui gen en tête li Ferdens Tilus, en peu de monde connaît son nom meilleur, yo même tout dans l'intervalle yo continue à simer la troublaille, yo continue à simer violence dans département la Tibonite là parmi yo on sait de l'autre commune tout qui n'a au Tibonite là. OK, pas épargné en bas violence nèg sa yo dans l'idée pour te étendre contrôle yo gain sur espace là pour qu'on s'en race attaqué première fois hein commune Terre-Neuve nous songez ça c'était dans mi-temps mois juin 2024 là 11 moun de mouri pour petit et puis gang là te créé une nouvelle cellule dans niveau Mapoulagon dans commune Lester en janvier 2024 et expliquer que gang sa yo yo tout sous une forme ou sous une autre, yo lié à coalition vivant ensemble qui a opéré dans agglomération Port-au-Prince notamment GPEP. Et yo dit pendant période novembre 2023 pour arriver août septembre 2024 là, yo pas fait discrimination dans moun y a touyé. Donc yo touyé là ou vle, les leaders dit yo touyé moun qui fait plaisir. Yo boulé caill ou vle, caill qui fait plaisir et yo attaqué commissariat de police là ou vle. Et yo expliqué par exemple début mois de janvier 2024 là on est citoyen qui non seulement nèg fin touyel mais nèg yo retiré ni pour être li ni mel parce que quand même monsieur yo te wel comme nèg qui était dans groupe de défense qui t'a pu résister avec base gang Grand Griffe. Le 18 février gang Kouroat sans race et te fait kidnapping sur 20 passagers qui t'a voyagé dans commune Gomon, yo te exigé $3,500 et américains souvle en échange de autobus là en plus de rançon pour passagers et on dit otage yo témoigné que yo té torturé yo ba au couvre yo occupe bagage et gain même dans certains cas si parents yo si proche yo pas arrivé ba yo l'argent yo touyé tout carrément et on expliquer gang yo bon ba yo fait bon série de terre que paysans on a parlé de la Tibonite yo même yo cultivé yo fait des récoltes là dans yo fait des jardins mais les récoltes là après les paysans parent pour la bénéficier de salte planté de salte semé c'est garder ces nèg exam qui vient prendre récolte là oh. Ça veut dire si paysan t'es fait jardin duril ou bien n'importe l'autre jardin et puis les récoltes là paraît au lieu que c'est eux même dans famille qui viennent récolter c'est nèg exam qui paraît avec gros âme 20 fois qui non seulement prend sac sous terre qui vole terre et puis si tu gagnes des bêtes paysans ou tu as fait élevage, tu prends. Et face à situation ça, groupe autodéfense surtout, tu pas hésité exécuter des individus soit qui t'a dans gang en face là ou bien tu as soupçonné qui gagne rapport qui gagne liaison avec gang là. Qui vient faire que ni innocent a mouri tout, mais ni monde tout dans gang là, yo exécuté tout de manière sommaire par rapport avec éventuelle relation yo gagne avec groupe armé dans pays. Et malgré un mandat d'arrêt contre Yuri La Tortue pour meurtre, association de malfaiteurs et contrefaçon, ça c'est le groupe expert qui a parlé pas moins en janvier 2024, eh bien, le groupe expert a expliqué Yuri La Tortue continuait à utiliser Gang Raboto à Cocoat sans race pour exercer contre lui sous Gonaïve et région La Tibonite en toute impunité. On a les hommes, guerriers de seul. C'est le groupe d'experts des Nations Unies qui a parlé. Claire. Le groupe d'experts des Nations Unies qui a parlé. Il a dit malgré l'émission, je m'appelle en français,
pour ne pas dire moi-même qui a ajouté qui retire. Malgré l'émission en janvier 2024 de mandat d'arrêt contre Youri La Tortue pour meurtre, association de malfaiteurs et contrefaçon, celui-ci continue d'utiliser les gangs Raboto et Kokowat sans race pour exercer son contrôle sur les Bounaïves et la région de l'Artibonite en toute impunité. Et expert va aller plus loin pour dire, monsieur La Tortue utilise sa société de sécurité privée, National Security, pour acquérir des armes à feu et fournir du matériel à des membres de gang. Sans commentaire, sauf m'a expliqué que très récemment là, nous étions ancien sénateur, tu as en conférence pour la presse. Côté il te dit une décision de justice qui est en faveur bon juge dans l'ordonnance. Mais c'est pas le premier juge qui était sous dossier non. Le premier juge qui était sous dossier, nous ca permettre nous faire petite parenthèse là puisque nous t'ai commenté déjà. Le premier juge qui était sous dossier, juge Luma. OK, c'est lui même qui était invité et sénateur et que pour des raisons sénateur lui même il était expliqué ensemble avec l'avocat il va présenter et mandat juge là tu vas finir dans l'intervalle. Par contre, si vous renouvelez le juge là, le mandat du juge là, même certains vous pouvez renouveler. Il y a un autre juge au bas du dossier et c'est l'autre juge là lui-même qui rend l'ordonnance qui dit sénateur va gagner pour aller. Ok. On a toujours un gonaïve. Je ne vais pas songer, mais je vais venir avec elle. Attends, c'est lui qui a rappelé. Donc, Teresa Mala, ancien sénateur, a été en conférence pour dire mais il y a une décision de justice dans la main, tout ça va dire de lui, pas gagner pour la vérité. On allait rapide parce que nous étions deux points seulement pour nous capables de finir avec la dynamique des gangs selon les experts des Nations Unies. Local et personnel policier, local et personnel justice dans la Tibonite, jusqu'à minute n'a parlé là, il y a une grosse menace gang sur yo. Et il y a des gens qui ont soutenu gang yo dans le département, il y a un espace dans le viseur. Si nous comprenons bien, et révélation. Groupe expert Nations Unies. Et vous expliquez depuis commencement février que ce passé là, par des manifestations anti-gouvernementales en soutien à Guy Philippe qui était gagné, il y a des membres de gang, notamment au niveau de Kokowat sans race, et bien qui étaient mettés du feu dans le tribunal, etc. Et puis volaient tout le dossier qui était dans le tribunal, etc. Et on dit qu'il y a des membres de deux gangs qui étaient rencontrés Guy Philippe même, qui étaient accompagnés avec des agents armés jusqu'au cou. Jusqu'au dents de la brigade de surveillance des aires protégées, n'a parlé de BESAP. Avant manifestation qui devrait dérouler dans Gonaïve. Et puis, on dit dans l'occasion, expert qui a parlé, un certain nombre de armes ont été distribuées, OK, sous le couvert de recrutement d'agents de brigade. Mais ça, expert a expliqué là. On dit dans le moment, étape de manifestation anti-gouvernementale, monsieur Arméo a rencontré Guy Philippe, et Guy Philippe a été accueilli des agents lourdement armés de la BESAP. Et il a distribué des armes dans une série de monde et qui s'est été comme prétexte. Je dis que c'est des gens qui ont recruté pour des armes. Est-ce que vous notez ça, monsieur? Ça veut dire que quand vous avez distribué des armes. Non, pas oui. Guy Philippe débarqué. Ah, ok. Il a rencontré, monsieur. Il a des agents de SAP avec eux selon le groupe d'experts des Nations Unies. On a appris à rencontrer, puis c'était une manifestation, que des gens qui ont distribué des armes dans eux. Dans quelle zone? Qui côté? La Gonaïve. Gonaïve, ok. Et vous expliquez que les armes à eux. Yo distribué yo sous prétexte y a recruté moun pour ça. OK. Ah, c'est pas moi qui a dit, c'est pas moi qui a parlé vous. Mes documents là de plus de 100 pages en anglais, traduction française à l'appui. Et ça m'a dit là son aspect nous prendre là document ça nous gain pas là dedans pour nous dire auditeur parce que chaque jour vient là. Et puis le parole. Par rapport à la stratégie que Bandi a même développé, on a fini à 30 exactement. Par rapport à la stratégie que Bandi a même développé, dans le cadre d'opération mission multinationale d'appui à la sécurité, eh bien, qui ça, groupe expert, expliqué, on a des hommes guerriers du seul, gang yo même, en grande partie, ils ont capitalisé les sous sa protection renforcée de leur territoire. De manière à empêcher, souvler les forces de sécurité ou même de pénétrer très facilement. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Si Kenya capable, ou bien si monsieur qui est dans MMSS là, gen gren, côté occupé, vous rassurez, vous renforcez non seulement la capacité et opération, mais vous renforcez la présence surtout. Et puis, vous utilisez des stratégies. Yo dit Kenya mais quoi maman mais quoi papa sont capables de venir piler. Et yon n'a pas yo fait
gen seri de tou. C'est pas moi qui a parlé, le groupe d'experts en beau j'en parle dans zone ça. Gen seri de tou yo fait comme des pièges côté pas mettre barricade. Ou est route là par exemple normal mais son tou yo fait, yo met ton bail léger sous les pour mettre sous l'eau. OK. Donc ça veut dire ou même qu'a courir rentrer qu'a porter boue, l'on rentre tombe choukou. Ou pas dans piège. Ou pas dans piège. Et on dit on mettait des barricades de long des pendant toute route là qui ca permettre que on joue bien l'autre et si la police a décidé à frapper en base yo pour les faire face à des difficultés énormes et on dit on placer des bonbons de gaz pour expliquer on cap parler yo préparer des cocktails Molotov que on ca utiliser les gars des opérations de police et on dit pour intimider force de sécurité yo gang yo même yo gon pratique kounya yo diffuser un ensemble de vidéos sous zam ak munitions yo acheté. Donc yo attend yo sous ça chaque fois qu'un groupe nan mitan yo qui achète une quantité d'armes ou bien qui récupère une quantité d'armes ou bien qui joigne une quantité d'armes, et ben yo fait vidéo dans cadre d'une campagne communication yo gagne qui propre avec yo pour yo montrer mais qui ça yo disposé comme matériel. C'est ça le groupe expert expliquer. Et yo râlé tout, gen certains membres de gang qui quitte Port-au-Prince qu'à l'installer une série de zones qui difficile d'accès pour créer de nouvelles bases et puis pour augmenter revenu activité criminelle. Par exemple, gédé nèg qui te gen droit village de Dieu, gédé qui te gen droit Grand Ravine, alors là me dit n'importe base, il y a droit 400 marozo pour mon bien comprendre ça groupe expert dire qui vient gon certain on pas parler de notoriété, non, certaine expérience. Et puis gédé droit ville de province, soit saute là dans le gon saute là dedans et puis là dedans qu'on y a là les mêmes pour le mettre base li. Parce que là il pas grand monde qui a balle quoi encore, c'est lui qui a fait cob li, c'est lui qui prend les soldats en balle. Et groupe expert dit dans évolution situation, il y a des groupes nèg comme ça qui étaient dans série de base bien spécifique qui quittaient Port-au-Prince qu'à une série de zones de province en d'avenir. Est-ce que vous comprenez? On a les hommes. Yeah. On pas obligé. Et puis et puis expliquer que gang Grand Ravine lui-même, il est ni nous expliquer ça déjà sous commune dans le sud là, dans le département l'ouest là, gang 400 marozo li même li mené des attaques brutales dans commune Gantier, dans l'est du département. Et puis il expliqué après diffusion en vidéo côté l'ambo sans jour t'a vanté tête li pou di men nouveaux armes l'acheter et cetera munitions gang nan li même li té poté bourré sous Gantier. Nous songer ça tout, c'est en juillet, c'est une pas trompe. Et après une attaque d'envergure, il y a plusieurs bâtiments qui étaient tombés en bas flamme d'ife parmi au commissariat de police Gantier qui était subi des destructions le 25 juillet pour être plus précis. Et puis expliquer qu'une nouvelle cellule gang nan qui était mise en place le 28 juillet et l'amour sans joute a annoncé que fond parisien était dans viseur et dans patrouille hôtel t'a privé sous fond parisien. Donc ça c'est pas nouvelle, elle dit là vidéo a été virale sur internet là. Et on dit objectif là c'est contrôler totalement hein, toute route nationale numéro 8 là pour capable gain capacité pour faire l'argent. Pour ces yo décider qui est ce qui doit passer là sur route mal passe là notamment que le chauffeur que le commerçant mais également pour yo capable river sous frontière avec la République dominicaine nan, très facilement. C'est une autre barrière réglée. Par contre, si nous comprenons, madame, monsieur, non seulement ça a un contrôle total de la route nationale numéro 8, mais la permet tout, il y a accès à la frontière haïtienne-dominicaine au niveau de Malpass très facilement pour régler ça. Ça a besoin de régler. Il n'y a pas de trafic. Trafic ZAM, trafic MOUN, trafic drogue, etc. Et puis, expert ordinaire a noté que vivre ensemble avec poste de péage, qui a multiplié non seulement sur route principale qui relie Port-au-Prince à l'autre région, mais tout sur route secondaire, dans la rue, dans plusieurs quartiers, agglomération, eh bien, vin gagne une capacité pour le renforcer tête li, pour augmenter le revenu, tête chargée. Et expliquer que dans la région nord, là, nos capitales là, gang 5 secondes à Canaran, yo touye 10 moun nan époque là, les ça, et pour parler de attaque qui fait dans début octobre là, parce que me dit nous, document ça m'a partagé avec nous là, essentiellement ça que là dans son document qui publiquement sorti le 30 septembre, ça veut dire attaque qui était faite sous AKM quoi, dans première semaine octobre là, deuxième semaine octobre, 9 10 octobre, donc li pas dans ça, mais moun yo parler de cabaret qui était subi attaque le 6 août 2024. Objectif là, d'après groupe expert, c'était permettre gang ça yo élargir en prison sur toute baie Port-au-Prince. Et d'après compréhension groupe expert, c'est pour faciliter circulation drogue et dans espace là et puis toute zone qui a accès à zone ça. Par contre, c'est noté non?
on y a est-ce que groupe expert baï menti, est-ce qu'elle baï vérité, ba konnen. Et bon côté vous expliquer que chef de gang yo utiliser population comme bouclier humain parce que vous était pensé mission multinationale là n'a parlé de monsieur Kenya notamment t'après elle vienne mener des opérations d'envergure dans Fiefio. Et vous expliquer que vous organisez des distributions presque chaque moment pour permettre que les gens qui sont dans la zone ne pas aller. Ça veut dire de temps en temps, vous allez manger, de temps en temps, vous allez cob, de temps en temps, vous allez faire social, vous voyez les l'école, vous voyez les l'hôpital, etc. Vous dites tout ça, c'est pour empêcher que la population qui est dans la zone même quitte la zone et aller de l'autre côté. Parce que dans la tête, pas Kenya a pris mener des opérations. Par contre, vous comprenez, non, vous avez des hommes. Donc, vous dites, en prévision eux-mêmes, il y a quelqu'un de Mounio et il va servir à Mounio comme bouclier humain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bah, on est. C'est le groupe d'experts qui est à parler. Et on dit qu'il y a des femmes, il y a des petits mounes tout, ils ont installé une série de rentrées, zone côté gang eux-mêmes, ils ont contrôlé eux. Et on dit petits mounes ça ils ont servi soit de tampon ou bien d'antenne à chaque fois gagné des opérations de police. Elle a besoin de rentrer dans une zone où c'est petits mounes qui a joué, etc. Petits mounes qui a monté descendre. Et pour même essayer de protéger, on va pas tirer sur tout le monde qui pas grand rien à mais. Et pourtant c'est des antennes monsieur placé selon le groupe d'experts des Nations Unies pour capable de contrôler chaque grain policier, chaque grain backup, chaque grain char qui a rentré dans zone yo. Juillet 2024, gang dans commune Cité Soleil t'a coupé les coups, Boston Brooklyn t'a annoncé un engagement yo prend en faveur d'une certaine paix pour être capable de tirer une série de barrières qui te séparent zone yo qui ont été contrôlées au chaque dans façon par yo ça qui t'a empêché de déplacer véritablement ni population dans zone za yo mais décision ça d'après groupe expert Ronald des hommes objectif là c'était permettre à même gang yo pour yo capable échapper ou bien faire monter descendre plus facile si au cas la police t'a décidé d'attaquer dans fief yo dans cadre une série de opérations bien planifiées. Les ça ont décidé de la guerre dans côté et puis juste fait être passer pour des civils et puis pour y aller. Pendant passage dans le pays, groupe expert dit yo rendu compte que gang yo vinn grossir yo. Yo dit minimum moun qui dans gang aujourd'hui a c'est plus passé 5500 moun. Même deux chiffres là c'est ça. Avait dit quantité moun qui dans gang aujourd'hui a li estimé à 5500 membres jusqu'à août 2024. Et le dit dans pile ti moun yo recruté en pile ti moun et malheureusement pour ti moun sa yo yo exposé mais attention choix pour recruter ti moun yo selon constat groupe expérience c'est pas un choix qui fait au hasard. OK? C'est bon choix qui fait au hasard parce que dit comme ça que c'est pour capable fragiliser mission multinationale d'appui à la sécurité parce que les gars des enfants pour tirer sur yo cap tombe en babal donc on comment on va le voir aux yeux du monde donc nèg yo a réfléchi pas bon vous comprenez donc est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai on le sait pas n'a noté que groupe expert dit il y a des petits monde yo pas baïsam. Mais mission yo c'est pour servir antenne éclaireur mission yo c'est pour transporter zam ak munition ça veut dire ti moun nan gen droit m'te expliquer ça tout à l'heure a monter descendre là dans rentrer zone côté gang yo contrôler ya et pour ou demain les pieds yo ne pas occupé yo doit prendre plume ça qui était là yo mettre là et puis retourner aux endroits yo prend là yo mettre là jusqu'à c'est le rivière mais en tout yo pas gagner nan main yo on a ou même qu'on a le côté boual tirer sur. Y a deux monde fait massacre. Moi touyer ti moun, moi touyer civil. Et groupe expert dit faut que noter, bon série de chefs dans question gang yo, dans Grand Avenue surtout dans Mariani tant que bout de bas, Gressier ti bébé Bougoy. C'est tout ti moun yo t'entrer dans gang yo. Donc avant nèg yo vinn représenter ça ou yo représenter jodi a, l'autre entrer dans gang yo, c'est ti moun petit 8 yo t'es. Il y a de cela une dizaine d'années. Et ça qui montrait que Jodia, selon la compréhension du groupe d'experts, que y a une possibilité pour Timoun Zaoyo qui était Jodia dans les prochains mois, dans les prochaines années, y a Vinto des véritables chefs de gang redoutables. C'est mon nom, c'est pépinière. Aïe. Gagnant
on l'autre élément avant de finir net, nous voulons souligner dans travail groupe expert. Je dis par rapport à l'évasion massive qui était faite dans la prison, eh bien, il y a de nouvelles compétences qui viennent à la disposition de gang. Je cite Dimitri Erard, qui a rejoint gang 5 secondes et qui a dû organiser plusieurs attaques et qui conseille les membres de gang sur ensemble de stratégies dans toute attaque coordonnée ou menée sur plusieurs sites stratégiques ou bien bâtiments publics. Il a expliqué que Dimitri Erard facilité monsieur acheter des armes à feu, en pile des armes à exhiber dans la vidéo. Eh bien, j'en ai unité qui est l'unité village de Dieu, les mêmes organisés, ils ont expliqué que c'est sous conseil Dimitri. Ces groupes experts qui ont parlé, c'est pas moi. Je dis en plus que son type qui est impliqué dans le trafic de drogue, mais d'après groupe expert, monsieur a aidé ISO à entrer en contact avec une série de gros organisations criminelles dans la région. Groupe expert qui a parlé. Et il dit malgré la criminalité après un niveau ça dans le pays, malgré toute atteinte qui gagne dans la question de droit monde, gang vivant ensemble a multiplié appel au dialogue. Et ils paraissent de temps en temps dans les médias, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est constat, groupe expert. Je dis pendant monsieur a demandé dialogue, pendant monsieur a dit qu'il est prêt pour qu'il chita parler, pendant monsieur a dit qu'il a travaillé pour la paix, ou bien il voulait la paix, aussi paradoxal que cela puisse paraître, eh bien, taux de criminalité a augmenté dans le pays. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, quantité de monde qui a des droits ou a violé chaque jour pour Dieu a augmenté dans le pays. Et c'est œuvre gagnée qui a vécu ensemble. Le groupe expert dit probablement dans l'idée pour améliorer l'image publique yo, et pour capable bosser vraie réalité, vrai tableau, ils sont obligés à dire des paroles, je ne dis pas au départ, pour justifier l'agissement. Il y a besoin comme ça que vous voulez en demain meilleur pour payer ça. Il faut que nous courir des politiciens corrompus, il faut que nous bataillons contre journalistes gang, journalistes voleurs, il faut que nous bataillons contre système ça, il faut que nous faire révolution, etc. Donc pour le groupe d'experts, c'est une façon au groupe armé, si vous voulez, pour maquiller tableau réel là, son façon pour capable maquiller réalité sociale et politique là. Juste pour justifier la violence. C'est constat, groupe expert. Le gouvernement a annoncé que la agit fermement pour le reprendre le contrôle d'une série de zones qui n'ont pas de gang. Et compte tenu du changement qui est dans la tête de police là, et déploiement de mission, donc, jusqu'à présent, rien pour faire. Cependant, il y a des gens dans le groupe expert qui expliquent que tout dialogue gang yo vle a, il y a une seule motivation. On dit la motivation, selon constat groupe et expérience, c'est que appel au dialogue, selon le groupe d'experts des Nations Unies, est motivé par possibilité pour gagner une amnistie. Si véritablement il va pas gagner une aspiration, mais des aspirations politiques, comme si vous avez pris le pouvoir. Donc, vous êtes prêt pour parler, vous êtes prêt pour négocier la paix. Mais attention, pas négocier la paix après ça pour prendre tout nèg boutouille pour aller en prison. Amnistie. Pas négocier la paix pour faciliter nèg remettre zam, mais négocier la paix pour empêcher coup de balle tiré et puis chaque groupe, chaque nèg dans base avec balle dans main ou avec zam. Belle parole lui. Vive ensemble qui pas arrivé réussir installer Guy Philippe dans tête transition malgré attaque récurrente contre palais national yo, eh bien espoir amnistia li presque réduit à néant selon le constat du groupe d'experts des Nations Unies. Et c'est dans contexte à 25 juin jour même rivé troupe kenyan yo dans Port-au-Prince barbecue n'a cité pendant t'a prendre la parole au nom de vivre ensemble, eh bien t'es dit faut gagner dialogue avec gang yo. Il t'a demandé premier ministre clair s'il prend route affrontement c'est pour pays al pas bon c'est plus 5 pour couler. Barbecue t'a dit faut gon chita parler. Il dit PM nan, c'est pas PM nan qui te mette zam nan men yo, c'est pas PM nan qui te voue zam ba yo. Donc si PM nan pa gen aucun intérêt pour venir prendre zam nan men yo, c'est dialoguer pour PM nan dialoguer avec yo. Et groupe expert qui a parlé. C'est pas moi même. Reprenne et 28 juin premier ministre par intérim nan, il te voue un message ba gang yo, il te dit cesser activité criminelle yo, camper yo, déposer zam yo et puis reconnaître l'autorité de l'État. Et malgré appel à dialogue ça,
gang yo continue avec activité criminelle yo et jodi a violence ta atteint un niveau record et pendant plusieurs fois que le barbecue ben n'importe l'autre chef gang yo affiché yo entouré d'une série de nèg armé jouk nan dan et yo déclaré que yo prêt pour combattre mission a. Et c'est peut-être le cas pour un paquet l'autre chef nan vivre ensemble. Maintenant, il reste à savoir par quel moyen nous verrons. Mais il y a des images qui montrent que il y a des patrouilles, etc., dont unité au niveau de village de Dieu, bien et habillé, etc. Vous comprenez qui dit qu'ils sont prêts pour bataille ensemble avec Kenya. Et activation coalition vivant ensemble, madame, monsieur, selon la conclusion du groupe d'experts, les montrer à quel niveau gang yo même yo évolué ou bien évolution ça n'a pas lié quelqu'un pour avec capacité pour non seulement yo définir mais coordonner et puis exécuter stratégie en fonction de priorité au gain et rôle clé que yo joué dans voyer Ariel Henri Aléa selon le groupe d'experts ils sont exemple vivant ils sont illustration parfaite. Maintenant comment s'y prendre, c'est peut-être un enjeu de taille aux yeux du groupe d'experts pour nouveau gouvernement ça qui joue une bourrade mission multinationale d'appui à la sécurité. Comment reconquérir une série de zones qui en bas contrôle nèg examio surtout la coalition vivre ensemble, c'est la grande question, mais nous clair et certain, ils sont étapes nécessaires et c'est pas le groupe d'experts qui dira le contraire pour gagner n'importe sac doit gagner comme paix comme l'ordre dans pays et surtout pour organiser bonne mission. Est-ce qu'on a privé là? On ne sait pas. Mais ça c'est en gros dynamique gang yo, évolution gang yo sorti novembre 2023 pour arriver août 2024. Et même septembre 2024, bien sûr, c'est pas aux yeux des journalistes de Caraïbes FM ni aux yeux de Johnny Ferdinand. C'est aux yeux du groupe d'experts des Nations Unies qui eux-mêmes a travaillé pour le compte du comité des sanctions au Conseil de sécurité Nations Unies hein, que le mandat a été renouvelé depuis 2023 et en Haïti là, ils ont mené des travail et qui sa méthodologie a été, faut que moi honnête avec mon yo pour me dire ça me soit dire là c'est pas parole pam, sont parole qui non document qui bien charpenté, expert yo di yo parlé avec plusieurs moun nan rapport yo. Yo mené des enquêtes dans pays d'Haïti, yo mené des enquêtes dans pays Belgique, dans Belgique, États-Unis, dans pays la France, Jamaïque, Honduras, Mexique, République Dominicaine. Yo di yo parlé avec des responsables au sein de institutions de pays, notamment au niveau de la police, tout comme au niveau de la société civile, des responsables de défense des droits humains, yo parlé avec des moun qui n'ont série de zone en d'un pays, notamment dans la Tibonite, ils parlent avec des groupes organisés, en société civile, dans la Tibonite, comme dans le département de l'Ouest. Et ils disent qu'il y a des rapports, des documents, peut-être des documents qui classent top secret, que le public n'a pas accès avec eux, et que eux-mêmes, ils ont une chance de découvrir, et du coup, ils voient comment gang eux-mêmes ont évolué pendant la période. Mm-hmm. Moi, c'est. Bon, ma blog, non, pour une minute seulement. Moi, c'est que, comme je lis les rapports, je lis de manière exhaustive. Et bon, l'autre explication pour que le groupe d'experts t'a essayé, ben non. Parce que gang pas créé tête, vous comprenez? Et alimentation, il y a des données que nous avons déjà qui dit que les amis qui côté au sorti, etc. Mais dans quel pays, tout le monde connaît les États-Unis, 94, 95 ou bien 99% des amis sont venus ici. Parce que et c'est vrai que le rapport a expliqué nous en partie dans le problème, non? Mais. Et origine problème dans tout nous t'a mais que experts font travail sur lui vous comprenez et puis garder tout et qui ça qu'a fait dans niveau qui pire toujours vous comprenez pour éviter que ça m'appelle de rentrer ici fait des recommandations peut-être un jour l'autre dans vidéo fait des recommandations non enquête pour elle faire selon moi c'est il y a des qu'est-ce qu'a fourni aux amis qui a soyé font rapport comme ça tout ouais cité noyo parce que comme ici autorité ont été cité noyo on va regarder qui monde ouais simple citoyen ou bien entrepreneur n'importe qui monde qui a fourni monsieur aux armes avec munitions côté au sorti qui est sur ouais c'est ça pour faire problème là gain origine gain manifestation rete expliquer manifestation problème là parce que bon c'est bien ça capable un début de solution mais vrai côté pour l'attaque yo fournisseur yo et intérêt fournisseur yo tout c'est qui ça oui moi c'est que ça important tout que monsieur penche sur ça en tout cas